Bonjour à tous, bienvenue à cette émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai promis il y a un ou deux jours, nous allons parler aujourd'hui de comment prier pour des maladies démoniaques. Qu'est-ce que j'appelle maladies démoniaques? Ce sont des maladies qui sont causées par un esprit impur dont il faut chasser l'esprit et nous allons voir faire intervenir l'opération de certains dons spirituels. L'émission s'appelle Rencontre sur les réseaux sociaux. C'est tous les mardis et les jeudis à 12h30 en direct sur Facebook et sur notre site évangile.tv. Donc, le temps que vous puissiez venir et que je puisse démarrer l'étude, je vais vous inviter à regarder rapidement comment regarder Rencontre sur les réseaux sociaux à travers Évangile TV. Je reviens dans 3 minutes et nous allons commencer à saluer quelques-uns d'entre vous qui êtes déjà là. À tout de suite, que le Seigneur vous comble. Bonjour mes chers frères et sœurs, je vais vous présenter l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux sur votre site évangile.tv. Pour ceux qui connaissent cette émission sur Facebook, mais qui ne la connaissent pas sur Évangile TV, je veux juste vous dire que pendant qu'elle passe sur Facebook, l'émission passe aussi sur Évangile TV. Pourquoi? Déjà parce que notre plateforme à nous, au départ, c'est Évangile TV, et nos émissions passent d'abord sur Évangile TV et secondairement sur Facebook. Mais aussi sur Évangile TV parce que nous sommes conscients que ce n'est pas tout le monde qui a Facebook. Facebook. Donc, vous avez peut-être des amis qui n'ont pas Facebook et vous voulez qu'ils regardent l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Sachez juste, mes chers frères et sœurs, que quand l'émission passe en direct sur Facebook, elle est aussi en direct sur évangile.tv. Comment vous faites pour accéder sur la page de Rencontre sur les réseaux sociaux sur Évangile TV? Eh bien, on va repartir sur la page d'accueil pour que vous puissiez voir le chemin. Bien sûr, dans d'autres tutoriels, je vous avais déjà parlé de la page émission. Vous pouvez accéder à cette page juste ici en haut. Vous voyez émission, hein, ou bien voir toutes les émissions juste ici, ici et là. Mais beaucoup plus dans le petit carré jaune juste en bas, voir toutes les émissions. Mais on va s'attarder sur ce bouton, hein, qui est le chemin le plus facile. Vous cliquez dessus. Et vous avez la liste donc de toutes les émissions que nous tournons, que nous avons, dont nous avons déjà tourné des émissions, des épisodes, et nous continuons à tourner. Et vous avez ici rencontres sur les réseaux sociaux. Vous voyez, premier carré, deuxième carré, troisième, deuxième ligne, premier carré, deuxième carré, rencontres sur les réseaux sociaux. Vous cliquez et vous atterrissez donc sur la page de rencontres sur les réseaux sociaux. Quand il y a le direct, cette petite vidéo-là qui ressemble à un GIF animé va partir et vous allez me voir en direct en train d'expliquer la parole de Dieu. Tout comme avec Facebook, vous pouvez faire des commentaires aussi ici, vous avez remarqué, vous faites vos commentaires ici. Ceux qui ont Facebook peuvent se connecter avec Facebook et ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez faire des commentaires autrement. Mais comment? J'avoue qu'il faut que je demande à notre web graphiste, designer, master, voilà, pour qu'ils nous disent comment faire. Donc, vous regardez le direct et juste en bas, le dernier direct se trouve toujours ici en grand. Par exemple, ici, c'est comment exercer le ministère de guérison. Par exemple, quand je fais un direct, peut-être 30-40 minutes plus tard, il est en replay juste là. Donc, toutes les autres émissions sont bien sur cette page et vous pouvez vraiment en bénéficier. Il y a déjà pas mal d'émissions. Vous voyez, je vais faire page suivante juste en bas pour que vous voyez toutes les autres émissions qui ont déjà été tournées. Il y a vraiment pas mal. Et je peux continuer encore, hein. Page suivante encore pour que vous voyez. Et il y a pas mal, pas mal, pas mal d'émissions pour votre édification. Ça, c'est le replay de rencontres sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite de passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Merci de m'avoir suivi.
Salut à tous, je suis heureux de vous présenter mon nouveau livre, Se préparer à réussir son mariage. Ce livre m'a pris 13 années pour l'écrire. Pourquoi ? Parce que ces 13 années sont mes 13 années d'expérience dans le mariage et j'aimerais partager avec vous les principes d'un mariage réussi. Bien-aimé, vous saurez dans ce livre comment vivre et réussir votre célibat. Vous découvrirez que le célibat n'est pas une malédiction, mais une période transitoire. Dans ce livre, vous verrez les désillusions du célibataire. Vous verrez aussi comment approcher son conjoint, gloire à Dieu. Vous verrez les questions des fiançailles et de la dot pour certaines cultures. Dans ce livre, vous aurez aussi les devoirs de chaque époux. Vous verrez aussi les crises dans le couple. Mais nous étudions aussi dans ce livre les divorces ou le divorce selon la parole de Dieu. Vous allez être béni. Faites tout pour avoir votre copie. Ce livre s'adresse aux gens qui ne sont pas encore mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui sont mariés. Ce livre s'adresse aux gens qui étaient mariés et qui veulent se remarier, qui ne veulent pas refaire les mêmes erreurs ou qui ne veulent pas revivre les mêmes échecs. Ce livre s'adresse à toi qui me regardes maintenant. Alors ne tarde plus. Tu peux aller sur, vous pouvez aller sur www.alainpatrick.fr ou appeler au 06 36 91 21 74 pour avoir votre copie. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous allons voir comment prier pour les malades qui ont des problèmes d'esprit. On a vu déjà la semaine dernière que c'était la volonté de Dieu que nous soyons guéris. Et donc, c'était la volonté de Dieu que nous puissions prier pour les malades. Quand vous comprenez que c'est la volonté de Dieu pour que vous soyez en bonne santé, vous comprenez aussi pourquoi Dieu veut que nous soyons un canal par lequel nous allons guérir les malades. J'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Dès le verset 17. On lira même dès le verset 15. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. » Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce verset biblique est d'actualité aujourd'hui. Je vous disais il y a quelques jours qu'il y a une doctrine théologique appelée le cessationnisme qui dit que la prière pour les malades n'est plus d'actualité aujourd'hui parce que la Bible a été canonisée et que tous ces signes, tous ces prodiges, toute cette démonstration d'esprit et de puissance avait pour but de démontrer la véracité de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Mais on a vu que justement dans la Bible dit que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les gens ont continué de croire après la canonisation de la Bible, ça veut dire qu'aujourd'hui, ces signes doivent continuer à suivre tous ceux qui croient. Il y a énormément d'arguments en faveur de la prière pour les malades, en faveur de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez l'Église qui ne veulent pas travailler pour la manifestation de la puissance de Dieu, ces églises-là marcheront dans la faiblesse spirituelle parce que Dieu aimerait que son église soit forte. Rappelez-vous que l'église que le Seigneur viendra chercher est une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut, nous dit la parole de Dieu. Comment est-ce que l'église sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, si ce n'est par la puissance de Dieu, si ce n'est par la démonstration de la puissance de Dieu? Les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit pour recevoir l'équipement spirituel. Et l'équipement spirituel a pour but d'aider le chrétien à marcher comme Dieu aimerait qu'il puisse marcher sur la terre. Parce que cette vie-là est une vie surnaturelle. Ce que Dieu nous demande dans sa parole, un être
ordinaire, un être humain normal ne peut pas faire ça s'il n'est pas équipé surnaturellement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous équiper afin que nous allions, que nous démontrions sa puissance et que nous marchions effectivement, j'ai envie de dire en nouveauté de vie parce que, vous savez, la nouvelle vie qu'on a reçue, ça se démontre. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce que nous démontrons que nous sommes des enfants de Dieu? En démontrant le pouvoir de la parole de Dieu, qui est le pouvoir du Saint-Esprit. Et donc, lorsque certaines églises ne veulent pas laisser le Saint-Esprit agir, ne veulent pas laisser la manifestation du Saint-Esprit, et prêchent encore des choses comme, non, les guérisons ne sont plus actuelles aujourd'hui, les baptêmes du Saint-Esprit ne sont plus actuels, la puissance du Saint-Esprit n'est plus d'actualité dans les guérisons, dans pas mal de choses, mais par contre, ils acceptent bien que la puissance du Saint-Esprit soit d'actualité pour donner la nouvelle naissance et ouvrir l'accès au ciel à certaines personnes. Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu est véritable, elle est réelle. Ce qu'elle dit, nous pouvons effectivement vivre cela. Donc, lorsque vous allez vous mettre à prier pour les malades, vous allez remarquer certaines maladies qui sont causées par des esprits impurs. Le don de guérison du docteur prophète Kenneth Hagin avait un certain process. Dieu lui disait que lorsqu'il imposait les mains, s'il sentait une chaleur traverser une main vers une autre, c'est que c'était là une maladie causée par un esprit impur. Et il fallait donc qu'il chasse l'esprit impur. Vous n'allez peut-être pas ressentir la même chose que le docteur Kenneth Hagin, mais il va y avoir des signes qui vont vous montrer que cette maladie est causée par des esprits impurs. Vous savez, lorsque vous voyez dans la parole de Dieu, il est écrit que le Seigneur guérit quelques démoniaques ou des démoniaques. En fait, le mot démoniaque ici, c'est le terme grec qui désigne toutes les maladies que les Israélites attribuait à une activité occulte. Donc, il y avait des maladies que les médecins scientifiquement ne pouvaient pas guérir ou ne trouvaient pas de cause concrète. Ils attribuaient cela à une activité démoniaque. Vous savez, ils ne sont pas bêtes, hein, les Juifs. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Et c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit dans Jean chapitre 4 lorsqu'il parla à la Samaritaine. Si les Juifs pensent comme ça, ils étaient habitués aux choses de Dieu. Rappelez-vous que des prophètes sont venus en Israël et des prophètes déjà comme le prophète Élisée guérissaient déjà les malades, faisaient déjà des miracles. Donc, ils comprennent les choses de Dieu. Donc, quand ils vont parler de démoniaque et dire que on qualifie de démoniaque les maladies dont la science n'arrive pas à trouver la cause et l'explication, nous pouvons aujourd'hui aussi, de façon actuelle, nous pouvons aujourd'hui prendre cette définition pour déterminer qu'une maladie est démoniaque ou pas démoniaque. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Regardez, il y a trois types de causes de maladie. Il y a une cause spirituelle, il y a une cause morale et il y a une cause physique. Les causes morales et physiques, généralement, les médecins ont étudié cela et peuvent trouver des remèdes pour certaines maladies. Et ils peuvent même expliquer scientifiquement à quoi est due une maladie physique ou à quoi est due une maladie morale. Même si on sait que les maladies morales et mentales, à un moment donné, les médecins vont être limités. Par exemple, la schizophrénie, ça ne se soigne pas. Les médecins vous disent que ça ne se soigne pas. Ils vont donner des médicaments aux schizophrènes qui vont le shooter, qui vont le mettre dans un certain état qui va calmer les voix, qui va calmer toutes ces choses-là que le schizophrène entend. Mais le schizophrène ne guérira pas de cette maladie-là. Donc, ça devient un peu plus compliqué pour la science de guérir des maladies mentales. Pourquoi? Parce que nous savons que la porte de notre esprit, c'est notre âme. Et donc, quand un démon habite notre âme, ça devient très compliqué même pour la science de pouvoir faire quelque chose. C'est tout à fait normal qu'il soit
limité. Parce que, mes chers frères et sœurs, j'ai l'habitude de vous dire que nous devons marcher dans la puissance du Saint-Esprit et nous devons marcher avec Dieu. Si nous nous fions tout simplement à la science, tout ce qui limite l'homme nous limitera. Et c'est pour ça que certains médecins sont limités par certaines maladies mentales ou même certaines maladies qui sont causées par la présence d'un esprit impur. Lorsque vous voyez, par exemple, en parlant de maladies mentales déjà, lorsque vous voyez certaines maladies, nous savons assurément que ce sont des esprits mauvais qui causent ces maladies et ces esprits mauvais vont amener un traumatisme dans le cerveau et dans le mental ou la mentalité de la personne, à un point où la personne va commencer à délirer. Par exemple, la schizophrénie, la folie et même la dépression. Il y a certaines dépressions qui sont causées par des esprits impurs. Même les crises d'épilepsie. Il y a certaines crises d'épilepsie qui sont causées par des esprits impurs. Dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont été guéris par le Seigneur qui étaient épileptiques. Et très souvent, un démon que le Seigneur chassait. Ce que vous voyez. Donc, à partir de ce moment, la science devient limitée. Maintenant, quand on parle de maladie mentale, c'est encore un peu plus facile pour vous en tant que chrétien de voir que non, là, il y a un démon derrière. Parce que la personne va entendre des voix, parce que la personne, quand vous allez prier à l'église, il y aura des fortes manifestations parfois, ou bien la personne va se mettre à parler toute seule et la personne va dire des choses qui ne sont pas cohérentes et parfois qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Et parfois, la personne va être insultante et vous savez tout de suite que c'est les démons. Lorsque vous êtes en face de certains tics, par exemple, vous allez, en tant que chrétien averti, rempli du Saint-Esprit, qui peut faire les choses de l'Esprit, lorsqu'il est en face de certaines maladies causées par des tocs, je vous l'ai dit, pas tics, par des tocs, un chrétien averti peut vite se rendre compte que non, là c'est un démon. Et si vous chassez l'Esprit, les tocs partiront. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand c'est les maladies mentales, ça peut être plus facile à reconnaître que lorsque c'est une maladie physique. Je prends un exemple. Quelqu'un va être malade, il va ressentir des douleurs et des symptômes, des maux de ventre énormes et atroces. Et quand il va à l'hôpital, on l'examine, on se rend compte qu'il n'y a rien du tout. On le fait passer par des radios, il n'y a rien. La radio ne montre rien, on le fait passer par le scanner. Le scanner ne montre rien, on lui fait une colonoscopie, il n'y a rien du tout. On lui fait une celluloscopie, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on lui fait une batterie d'examens médicaux qui puissent permettre à la science de déterminer l'origine de la maladie. La science ne voit rien du tout, mais pourtant la personne a toujours ce mal de ventre atroce. Très souvent, ces maux de ventre sont causés par des sentiments de comme si vous sentiez des choses circuler dans votre corps parfois, et parfois même dans votre ventre, comme si vous sentiez des choses circuler et vous avez vraiment mal. Parfois quand ça vous prend fortement et à ce moment-là, parfois vous prenez des médicaments, les médicaments ne font rien du tout. Sachez que quand la science, après un tas d'examens, n'arrive pas du tout à déterminer l'origine, la cause de votre maladie, n'arrive pas à dire l'objet de votre souffrance, n'arrive pas à mettre un nom à cela, très souvent, votre maladie a une origine démoniaque. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, hein, il faut relativiser, je suis d'accord que la science peut être limitée. Il y a peut-être des maladies que la science ne connaît pas. Il y a peut-être des maladies très, très mal connues. Je prends un exemple très simple. Vous savez, si vous revenez d'Afrique, notamment dans la zone de l'Afrique équatoriale, j'avais envie de dire l'Afrique équatoriale française, vous pouvez attraper ce qu'on appelle le paludisme. Et si vous êtes dans une ville française où il n'y a pas beaucoup de noirs et que vous manifestez des symptômes de paludisme, il peut vraiment mettre des semaines avant de déceler l'origine de la maladie et de dire que c'est véritablement le palu. Pourquoi? Parce que c'est une maladie inconnue pour eux. Est-ce que vous suivez? Je ne suis pas en train de vous parler de ces cas-là. Je vous parle, par exemple, des cas où les symptômes sont connus. Les symptômes peuvent être causés, les symptômes peuvent amener les médecins à qualifier l'origine de la maladie, mais le problème, c'est que les outils qu'ils utilisent ne confirment pas cela. À partir de ce moment, mes chers frères et sœurs, quand on vous donne des médicaments, les médicaments ne vont pas du tout marcher parce que cette maladie est spirituelle, est d'origine spirituelle et il faut chasser l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer tout à l'heure comment chasser l'esprit, mais je veux d'abord m'arrêter là-dessus, ok, sur comment ces choses-là se passent. Comment ces maladies-là, ce que ces maladies peuvent causer. Regardez, je vous prends un exemple très simple.
Vous savez, le Seigneur nous donne une instruction claire concernant les inquiétudes. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, c'est à l'impératif. » Quand la Bible va vous dire de ne pas vous inquiéter, c'est parce qu'il sait que derrière les inquiétudes, il peut y avoir des attaques démoniaques. Et le diable peut entrer dans votre vie par les inquiétudes et par le stress. Le diable peut amener l'hypertension à cause des inquiétudes. Et quand il réussit à amener l'hypertension à cause des inquiétudes, bien aimé, quand vous cherchez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit démon qui est perché quelque part parce que vous avez laissé une porte d'entrée. À partir de ce moment, ça devient difficile pour certains d'entre vous de ne pas vous inquiéter, de ne pas stresser, de ne pas être sous tension parce qu'il y a un esprit derrière qui cause ça et du coup, votre tension baisse. Comment est-ce que l'esprit opère? L'esprit va attaquer votre âme pour pouvoir entrer dans votre corps et votre âme et amener, exercer une pression dans votre corps, amener une maladie dans votre corps. Là, il y a deux choses. Soit le démon va causer une maladie que scientifiquement on peut repérer, soit le démon va causer une maladie, c'est-à-dire il va vous communiquer les symptômes d'une maladie et scientifiquement on ne voit pas ça, mais pourtant vous ressentez les choses dans votre corps. Que faut-il faire maintenant en face de ces deux cas? Lorsque l'esprit mauvais a causé des troubles dans votre corps, il est rentré, il a causé des troubles dans votre corps, et scientifiquement, on arrive à voir une maladie, ce qu'il faut faire, c'est d'abord chasser l'esprit impur. Vous prenez autorité sur l'esprit impur, vous l'ordonnez de partir au nom puissant de Jésus. Quand l'esprit est parti, à partir de ce moment, vous priez maintenant pour que le Seigneur puisse guérir. Et à partir de ce moment, soit vous priez par la foi en la parole de Dieu, soit vous faites intervenir quelqu'un qui a un don de guérison, soit sous l'onction du Saint-Esprit, vous priez pour la personne. Et là, je vois certaines personnes qui me disent, mais pourquoi tu fais la distinction entre les trois? On prie pour les malades, je pense que les trois opèrent. Non, pas forcément. Et je l'ai déjà dit les dernières émissions, pas forcément. Et c'est pour ça que beaucoup sont complètement dans la confusion en ce qui concerne la guérison divine. Donc, je vous conseille d'aller revoir les anciennes émissions Rencontres sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu ce que j'explique dans ces trois méthodes de dispenser la guérison divine. Ok? Donc, la personne a laissé une porte d'entrée, il y a un démon qui est rentré, et quand le démon est rentré, il a causé du désordre dans le corps, et scientifiquement, on arrive à voir ce corps. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous priez pour la personne, et ensuite, vous priez pour la guérison de la personne, et vous restez dans la foi. Parfois, la guérison, ou très souvent, la guérison va être instantanée. Mais si elle n'est pas instantanée, restez dans la foi. Vous allez voir la guérison prendre place. Cette histoire de rester dans la foi à cause des guérisons progressives, là, elle est très, très, très importante parce que lorsque Jésus a maudit le figuier n'est pas mort sur le champ. La Bible dit que c'est le soir, quand ils sont venus, qu'ils ont vu que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Et bien aimé, peut-être que votre maladie ou votre problème a commencé à sécher dans les racines. Et c'est pour ça que peut-être que vous ne voyez pas encore, mais c'est une question de temps, vous allez voir la manifestation de votre guérison. Le deuxième cas, c'est lorsque la maladie est causée par un esprit, mais l'esprit n'a pas fait dégénérer le corps. L'esprit n'a pas touché le corps. Donc, dans ce cas, vous vivez les symptômes de la maladie, mais les scientifiques n'arrivent pas du tout à vous diagnostiquer correctement parce que scientifiquement, vous n'êtes pas du tout malade. Dans ce cas, que faut-il faire? Vous devez prier, prendre autorité sur cet esprit impur et le chasser au nom de Jésus. Et quand vous chassez l'esprit, mes chers frères et sœurs, les symptômes vont disparaître totalement. Amen. Il y a une chose sur les symptômes que j'aimerais vous dire et que je vais préciser ce week-end à Rennes parce que ce week-end, je continue la tournée de foi et de guérison à Rennes le vendredi soir à 19h, le samedi dans l'après-midi à partir de 13h30. On a deux sessions le samedi, comme d'habitude, à 13h30 et à 16h30, 17h. Et le dimanche dans la matinée, à partir de 9h45, 10h, on a un seul service, comme d'habitude. Donc, je vais repréciser ça ce dimanche. Je voulais, mes chers frères et sœurs, vous parler un peu des symptômes parce que beaucoup, en fait, se trompent au niveau des symptômes. Beaucoup pensent que parce que les symptômes sont encore manifestes, ça veut dire que la maladie est toujours là.
Bien-aimé, vous savez, quand vous avez vécu longtemps avec une maladie, psychologiquement, votre cerveau a enregistré certains symptômes qui se manifestent d'une certaine façon. Et même lorsque on vous a administré un traitement et que les scientifiques, les médecins ont dit que la maladie est partie, certains patients vont continuer à ressentir les symptômes même si scientifiquement la maladie n'est plus là. Ces symptômes sont dus à quoi? Ces symptômes sont causés par leur cerveau, leur tête qui a enregistré la manifestation de ces symptômes, mais parce que ces symptômes ont duré. Vous savez, excusez-moi, quand j'étais, je vous ai déjà fait mon témoignage, hein, il y a des années de cela, je suis tombé malade et j'avais des douleurs quelque part et pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, j'avais ces douleurs-là et je suis allé à l'hôpital et les médecins m'ont administré un traitement. Vous savez, des mois après le traitement, je suis allé passer les scanners, les radios, tout ça, il n'y avait plus de maladie. Scientifiquement, on me disait que la maladie n'était plus là, mais dans mon corps, je ressentais encore un tout petit peu les symptômes se manifester. C'est comme ça que j'ai compris, quand j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'en fait, notre tête parfois va enregistrer une manifestation de symptômes et physiquement, nous allons continuer à ressentir un tout petit peu ces symptômes. Et d'ailleurs, même c'est ça qui fera en sorte que parfois la maladie revienne parce que vous allez avoir peur que la maladie revienne et le diable va ramener la maladie. Donc, je suis en train de vous dire que la manifestation des symptômes ne signifie pas systématiquement que la maladie n'est pas partie. Si même scientifiquement, cela se tient, mes chers frères et sœurs, qu'en est-il de la sphère spirituelle des choses? Est-ce que vous comprenez? Et souvent, les gens font une erreur là-dessus. Ils se disent, mais non, moi, si je continue à ressentir, ça veut dire que je suis encore malade. Non, peut-être que la racine de la maladie a déjà complètement été détruite. Peut-être que tout a déjà été détruit et psychologiquement, vous continuez à ressentir. Regardez, il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez l'effet placebo. L'effet placebo, si je ne me trompe pas, c'est en fait ces personnes-là qui ont perdu leur bras, je pense. Je sais pas si c'est ça exactement. Oui, peut-être, ouais. Je sais pas si c'est ça l'effet placebo, mais en tout cas, je vais vous expliquer le phénomène. Je sais pas si vous avez suivi cet épisode de Dr. House. Oui, je regarde aussi quelquefois Dr. House. Il y a un voisin du Dr. House qui était très désagréable. Il était vraiment méchant, ce voisin. Et le Dr. House en avait vraiment marre. Et un jour, il est entré chez le voisin, il a fermé la porte à clé, il a enlevé les clés et il a comme pris en otage le voisin. Et pendant qu'on regardait le film, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il devait... Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Dr. House? Mon Dieu, il va s'attirer des ennuis. Et là, il va fabriquer un petit truc, une petite boîte avec un miroir. Et il va demander au monsieur de faire entrer une main. Le monsieur qui était amputé de la main. En fait, le voisin désagréable était amputé d'une main. Et cette main-là lui faisait extrêmement mal. Et c'est pour ça qu'il était très désagréable. Son cerveau avait enregistré quelque chose. Et il avait du mal à déprogrammer ça. Et c'est comme ça qu'il a introduit une main dans la boîte qui était la main qui était bien portante. Et Dr. House lui a demandé de regarder le miroir où il y avait la main. Et Dr. House lui a demandé, lui a parlé et lui a fait comprendre que c'était l'autre main, la main gauche qui était coupée. Je ne sais pas si c'était la main gauche ou la main droite qui était en train de bouger. Et le monsieur a effectivement bougé la chose. Et il avait l'impression que ses deux mains bougeaient et ses deux mains étaient en bonne santé. Et après cela, le monsieur n'avait plus des douleurs à la main, au bras plutôt, qui était sectionné. Et voici comment Dr. House a guéri ce monsieur par une technique comme psychologique. Si ce monsieur-là pouvait ressentir encore la douleur de l'amputement du bras, mes chers frères et sœurs, c'est le cerveau tout simplement qui a enregistré ça. Ça, c'est des choses que vous pouvez, en lisant davantage, vous allez découvrir que scientifiquement, ça se tient et ça se justifie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les symptômes, la présence des symptômes ne signifie pas forcément que la maladie n'est pas partie. Amen. Il y a quelques personnes ici qui sont en train de me saluer. C'est vrai que j'ai oublié de vous saluer. Pour vous prouver que je suis en direct, je vais saluer quelques personnes ici. Nous avons donc Ingrid Ogula, Verlaine Ebout, Nadège est là, Jocelyne, bonjour, Glody, bonjour, Pierre, bonjour,
Pierre Charoudi, Rosa Gaspard, bonjour. Bonjour mon frère Kalombo. Bonjour Dalia, bonjour Daphné. Bonjour Charles Kevin Mumbana. Apôtre, est-ce que toutes les maladies sont dues à des démons? Non, pas du tout. Mais les démons peuvent, à force de vous tenter, vous amener à choper une maladie. Bonjour Tati Josiane. Sandra Joubert, bonjour. Bonjour pasteur, pour ces richesses qui nous feront gagner du temps. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour Sophie. J'ai envie de dire Sophielle. Bonjour pasteur gentil. Bonjour Jesse Ngaruko. Bonjour Soukena. Bonjour Tombe Sandrine. Bonjour Charles Kevin Mumbana. Ah oui, non, je t'avais déjà salué. Bonjour Clémineunout. Bonjour Sabrina. Bonjour Elodie. Bonjour Livio. Bonjour Angèle. Bonjour Dulciel. Bonjour Adrien. Bonjour Joss. Bonjour Jade. Bonjour Christiane Tikou. Bonjour Jasmine. Bonjour pasteur Tiki. Bonjour Corinne. Bonjour Mélina. Comment le Seigneur? Comment ça va Mélina? Bonjour Brian. Oh. Bonjour Mathias O'Brien. Gloire à Dieu. Donc concrètement maintenant, comment vous pouvez prier pour la personne? Ok. Vous savez, Philippiens 2, 9 à 10 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire au Seigneur. Je vais vous expliquer ça concrètement dans quelques instants. Gloire au Seigneur. Dans quelques instants, je vous l'explique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous l'explique dans quelques instants. Bien-aimé en Christ, bonjour, partenaire dans la prédication de l'évangile, bonjour, j'ai un autre tutoriel à vous faire concernant Évangile TV, c'est la possibilité que vous avez de participer à la même grâce que nous, celle de la prédication de l'évangile, en étant partenaire avec nous et en nous soutenant financièrement. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire un don à notre ministère pour que Évangile TV puisse continuer à produire des émissions de qualité comme celles que vous voyez sur notre site, bien sûr. Vous êtes ici sur la page d'accueil, c'est très simple. Vous avez la possibilité de faire un don ici en cliquant sur le petit cœur juste à l'extrême droite en haut. L'extrême droite en haut, sur la même ligne que la barre de menu, vous allez voir le petit cœur blanc dans un carré jaune et vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page « Nous soutenir ». Et ici, vous avez des informations concernant le don que vous voulez faire. Soit vous cliquez 25 euros, 50, 100, 500, 1000 pour ceux qui veulent donner 1000 euros. Ou bien vous personnalisez le don. Pour personnaliser le don, vous cliquez ici. Par exemple, vous dites je veux donner 5 556 euros. Vous voyez? Et puis, vous choisissez ici. Le motif de la campagne de don. Il y a d'autres motifs qui vont bien sûr s'afficher. Il y aura l'objectif mensuel, il y aura sponsoriser les croisades de guérison, il y aura sponsoriser la création des églises, il y aura pas mal de motifs de donation. Il y a soutenir Évangile TV et ses animateurs. Et vous pourrez choisir et vous mettez votre prénom, votre nom, votre email, votre ville, votre adresse. Et si vous voulez faire un don anonyme, vous faites un don anonyme, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'en faisant un don, vous êtes partenaire avec nous et c'est important que nous puissions vous connaître et entrer en contact avec vous pour prier pour vous et vous bénir avec la parole de Dieu aussi. Et vous avez donc la possibilité ici de le faire pour le compte de quelqu'un d'autre. En fait, pour le compte d'eux, vous choisissez une église, une entreprise ou une association.
et vous tapez le nom, et puis vous arrivez à la possibilité de payer par carte de crédit, par PayPal, c'est la carte de crédit aussi, hein, et puis les moyens hors ligne. La carte de crédit, sachez que c'est vraiment sécurisé. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui recevons les informations de votre carte de crédit, c'est plutôt la banque qui reçoit cela avec un système crypté et totalement sécurisé, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui connaissent le système PayPal, il est là, vous pouvez faire un don par PayPal. Et on vous donne la possibilité de faire un don, bien sûr, par Western Union. Vous envoyez, bien sûr, au nom Grace Mpembe. C'est une de mes assistantes qui ira prendre le Western Union pour le ministère. Et vous mettez, bien sûr, en motif soutenir le ministère ACER ou soutenir Évangile TV. Vous pouvez aussi le faire par virement bancaire. Vous avez le numéro du compte ici que vous pouvez, bien sûr, utiliser pour faire le virement. Dès que nous recevons le virement, nous vous contactons pour prier avec vous parce que c'est très 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 important que nous prions avec nos partenaires. Vous pouvez le faire aussi par chèque à l'ordre de l'ACER et vous envoyer bien sûr à l'adresse qu'il y a juste en bas ici. Vous pouvez faire votre don maintenant en cliquant sur le bouton juste en bas, faire un don maintenant et je prie que le Seigneur. Voilà, donc quand vous chassez un esprit mauvais, faites-le au nom de Jésus. La Bible dit dans Philippiens 2, 9 à 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, le nom de Jésus a de la puissance. Le nom de Jésus a un pouvoir. J'ai déjà expliqué aux gens à plusieurs reprises pourquoi nous utilisons le nom de Jésus. Vous savez, le Seigneur dit même que lorsque vous demandez quelque chose au Père, vous devez le demander au nom de Jésus. Ce n'est pas que Jésus va auprès du Père pour dire « Père, donne-leur ce qu'ils ont demandé à cause de mon sacrifice sur la croix ». Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce que le Seigneur Jésus dit « Ce n'est pas que je vais demander au Père pour vous, parce que le Père lui-même, il vous connaît. » Mais en fait, vous utilisez le nom de Jésus parce qu'aujourd'hui, vous êtes un avec Christ. La Bible dit que vous faites partie du corps et le Seigneur est la tête. Elle est la tête. Nous sommes un seul corps. Donc, nous répondons à un seul nom, c'est celui de Jésus. Donc, quand nous parlons aux démons au nom de Jésus et non à notre propre nom. Et vous devez comprendre que au nom de Jésus, les démons doivent simplement obéir, qu'ils le veuillent ou pas. Parce qu'en le faisant, vous vous présentez à eux avec la puissance, l'autorité, la sainteté de Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils partent. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez en avoir la révélation. Parce que certains vivent des expériences comme celle des sept fils de Séva, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la révélation de la puissance du nom de Jésus. Pourquoi ils utilisent ce nom? Certains pensent que c'est une formule magique. Ce n'est pas une formule magique, mes chers frères et sœurs. C'est pas une formule magique. Il y a des raisons pour lesquelles nous nous présentons au nom de Jésus. Vous savez, quand vous allez en mission diplomatique, vous allez aller rencontrer un président de la République. Si vous êtes ambassadeur, vous n'allez pas en votre propre nom, vous allez au nom du président de la République. C'est un peu la même chose avec le Seigneur Jésus. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans la continuité du ministère du Seigneur Jésus. La Bible dit en Actes des Apôtres, le chapitre 1, Théophile, je t'ai écrit dans mon premier livre au sujet de ce que Jésus a commencé d'enseigner et de faire. Vous prenez Actes des Apôtres, le chapitre 1, vous allez voir, je vous cite souvent ce verset biblique, mais pourtant, il est là. Donc, vous allez voir, Actes des Apôtres, chapitre 1, ok? Actes des Apôtres, chapitre 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il avait donné quels ordres aux apôtres? Il a demandé d'aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, et il a demandé de guérir les malades, de ressusciter les morts et de donner gratuitement parce qu'on a reçu gratuitement. Donc, nous utilisons ce nom qui a de la puissance pour pouvoir chasser les démons. Donc, concrètement, vous faites quoi? Vous pouvez
pouvez imposer les mains à la personne. Vous suivez? Vous pouvez imposer les mains à la personne. Et je vous ai dit la dernière fois que ce n'était pas interdit d'imposer les mains à quelqu'un qui avait un esprit pour chasser un esprit mauvais. Très souvent, la présence d'une onction de guérison va être démontrée par des manifestations démoniaques. Vous savez, quand Dieu est en train de manifester dans la salle, Dieu est en train d'utiliser quelqu'un dans la guérison, vous allez remarquer que à chaque fois que la personne prêche et à chaque fois que la personne prie pour les gens, les démons se manifestent par-ci par-là parce que la même onction qui guérit les malades, c'est la même onction qui chasse les démons. Donc, en imposant les mains, un esprit mauvais peut se manifester. Et comment savoir que c'est un esprit mauvais qui se manifeste? Vous avez deux façons. La première méthode, la méthode par excellence, c'est le discernement des esprits. C'est-à-dire que par intuition, vous savez que là, c'est un esprit mauvais, ou bien Dieu vous parle clairement, ou même vous avez une vision et vous voyez l'esprit mauvais qu'il y a derrière. Je me rappelle que j'ai prié pour quelqu'un la semaine dernière lorsque nous étions à la tournée de foi et de guérison à Lyon. Et quand la personne s'est approchée, j'ai vu un serpent autour de la personne. Et je savais par ce serpent-là que j'ai vu que la personne était sous le coup d'une action satanique, d'une oppression démoniaque. J'ai pris autorité et on a fait la délivrance de la personne. Donc, soit le discernement des esprits, soit que lorsque vous vous approchez, l'onction qui descend sur la personne va déranger l'esprit. Et l'esprit va commencer à s'agiter et se manifester. Et il peut se manifester en vous parlant. Et vous savez, quand il parle, que c'est un esprit mauvais parce que il va gesticuler dans la peur, il va crier parfois dans l'arrogance et puis la personne peut même vous insulter, dire des trucs, des blasphèmes, des choses de ce genre. Vous savez là qu'il y a un esprit derrière. Quand vous êtes en face de ça, vous prenez autorité. Vous dites au nom de Jésus, esprit impur, j'ai interdit maintenant d'agiter cette personne. Sors de cet homme ou sors de cette femme et l'esprit mauvais partira. Quelqu'un m'a demandé quelle est la différence entre le fait d'être possédé et le fait d'être oppressé. Bonjour, quelle est la différence concrète entre être possédé et être oppressé? En fait, la vérité, la possession démoniaque, ce sont les incroyants qui peuvent l'avoir. Les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Est-ce que vous comprenez? Parce que la possession se passe dans l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de la personne va être habité par un esprit mauvais et l'esprit mauvais va comme piloter la personne. C'est le cas du fou de Gadara. Le fou de Gadara était possédé. Vous voyez, c'est le cas généralement des gens qui sont atteints de folie. Très souvent, quand c'est causé par des esprits impurs, et d'ailleurs la majorité de temps c'est causé par des esprits impurs, les esprits impurs vont piloter le corps de la personne. Là, on parle de possession démoniaque. L'oppression démoniaque, c'est un peu comme la démonisation. Un chrétien peut être démonisé, même si ce n'est pas normal qu'un chrétien soit démonisé. Est-ce que vous suivez? Même si ce n'est pas légal, ce n'est pas la norme qu'un chrétien soit démonisé et oppressé, mais ça peut arriver lorsque les gens sont des bébés spirituels, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, il y a des choses qu'ils ignorent, ils peuvent être sous le coup d'une oppression démoniaque. Maintenant, retenez, comme je l'ai déjà dit dans l'étude sur les démons et comment les traiter, retenez qu'un démon, un chrétien peut être démonisé à cause de trois raisons. Trois raisons. La première raison, c'est son ignorance, deux ou trois. La première raison, c'est son ignorance. La deuxième raison, c'est sa désobéissance. Bon, deux raisons, pas trois. Donc deux raisons, soit son ignorance, soit sa désobéissance. Sinon, il n'y a pas d'autre raison pour lesquelles un esprit mauvais peut effectivement vous attaquer. Est-ce que vous suivez? Donc, quand vous êtes en face de ces personnes-là, vous priez pour les malades, les personnes gesticulent, tout ça. Vous savez, certains hommes de Dieu utilisent ça pour faire venir du monde chez eux parce que ils vont faire parler des démons, ils vont faire du spectacle au moins pendant 10-15 minutes. Moi personnellement, je n'en vois pas l'intérêt sauf quand l'Esprit de Dieu me conduit de le faire. Quand je prie pour des esprits, pour que des esprits soient chassés dans la vie des gens, si le Saint-Esprit me demande d'interroger l'Esprit, je le fais. Et ça, c'est biblique, hein. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit au sujet du fou de Gadara, il a posé la question, quel est ton nom? S'il a posé cette question, c'est parce que il ordonnait au fou de partir, mais le fou ne partait pas. Et ça, les démons plutôt de partir du fou, mais les démons ne partaient pas. Et là, il a posé la question, quel est ton nom? À partir de ce moment, les démons
On dit on est légion parce que nous sommes plusieurs. On va voir ce passage biblique parce qu'il y a certains qui sont en train de dire, mais comment c'est écrit où que les démons ne partaient pas? Je vais vous le montrer. Je vais vous le démontrer, vous inquiétez pas. Donc Matthieu chapitre 5, du verset 1 au verset 20. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, du verset 1 au verset 1. OK? Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays de Gérasénien. Ou Gadara, hein? Ça veut dire aussi Gadara. Aussitôt que Jésus y débarquait, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Vous voyez là, c'est le cas de quelqu'un que les démons essayent de détruire physiquement. Il se meurtrissait, c'est-à-dire il se scarifiait avec des pierres. Et je l'ai déjà dit, vous savez, cette histoire de se scarifier est purement démoniaque. Ok? Il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Regardez. « Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Ok, quand vous faites une analyse grammaticale de « disait » là, vous voyez que, une analyse grammaticale de la phrase « car Jésus lui disait », le verbe « dire » ici est à l'impératif. Et nous savons que l'impératif est utilisé pour un passé qui était en train de se faire, vous comprenez? C'est-à-dire que si c'était instantané, la Bible allait dire « Jésus lui dit ». Est-ce que vous comprenez? Où Jésus déclara, où Jésus ordonna, c'est-à-dire instantanément, il l'a fait et ça s'est fait. Mais quand il dit, il lui disait, c'est que certainement le Seigneur avait déjà commencé à un moment donné de chasser les esprits, mais les esprits ne voulaient pas en fait partir. Et c'est là où, poussé par le Saint-Esprit, il va dire, il lui demanda, quel est ton nom? Et le démon va dire, Légion, car nous sommes plusieurs. Hein? Il le suppliait de ne pas les envoyer, tout ça, machin. Et c'est là où, quelques temps après, Jésus va ordonner aux démons de pouvoir sortir. Écoutez, la délivrance n'a pas fait plusieurs heures. Hein? La délivrance n'a pas fait des jours. Vous suivez, ça c'est clair. Parce que la Bible nous montre que juste après, le Seigneur va prendre le bateau. Mais il est clair par cette analyse du verset 8 que ce n'est pas instantanément. Jésus, quand il a ordonné instantanément, le démon n'est pas sorti instantanément. Il y a eu une certaine résistance jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu conduise le Seigneur à pouvoir demander le nom. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? Et quand le monsieur, j'ai dit le monsieur, quand le démon va donner le nom, il va être plus facile à partir pour lui de partir. Pourquoi? Parce que un démon discerné est un démon qui est plus facile à chasser. Et c'est pour ça que quand vous chassez les démons, vous devez travailler avec le don du discernement des esprits. Est-ce que vous voyez? Parce que ça va vous aider à bien comprendre les choses. Parce que parfois, des esprits vont vous dire plein de choses. J'ai eu l'occasion de prier pour des gens qui étaient malades et les démons disaient, non, cette maladie est causée par sa grand-mère, je suis sa grand-mère, c'est mon petit-fils, vous pouvez rien contre moi, c'est moi qui ai amené cette maladie pour le limiter, machin, tout ça. Bon, les démons vont dire plein de choses. La Bible dit que le diable est un menteur, donc ça veut dire que les démons, c'est aussi des menteurs. Il y a certaines informations des démons que vous ne devez pas prendre tout simplement parce qu'ils peuvent vous mentir. Si vous ne travaillez pas avec le discernement des esprits, les démons vont vous balloter par-ci, par-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est un cas précis. Vous pouvez imposer les mains, mais vous pouvez aussi déclarer. Par exemple, dans le cas où l'esprit est loin,
Dans le cas où l'esprit est loin, c'est-à-dire que la personne malade est très loin de là où vous êtes, vous pouvez tout simplement déclarer qu'au nom de Jésus, l'esprit mauvais est parti. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible, ok? Mais je voulais quand même vous parler d'un cas, celui de Luc chapitre 4, dès le verset 31. Luc chapitre 4, dès le verset 31. « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. » Parler avec autorité ici, c'est quoi? Enseigner avec autorité, c'est affirmer avec courage certaines vérités, avec hardiesse certaines vérités. Enseigner avec autorité, c'est renverser des mensonges et redire clairement les vérités. Ok? C'est ça, enseigner avec autorité. Enseigner avec autorité, c'est aussi enseigner sous l'onction du Saint-Esprit. Et vous voyez, il y a une puissance, il y a un feu qui se dégage. C'est aussi prêcher avec ferveur. Ok? Et intensité. Donc, je continue la lecture de Luc 4, 31. « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. » Vous voyez, par exemple, là, on a un cas bien précis et bien clair. Parce que certaines personnes sont venues m'accuser de prêcher un évangile démonstratif. Je me rappelle qu'au début de notre ministère à Rennes, je chassais des démons déjà. Et quelqu'un est venu me voir et il m'a dit, « Pasteur Alain Patrick, c'est trop démonstratif lorsque tu prêches, lorsque tu chasses des esprits impurs. C'est trop démonstratif et ça fait trop de bruit. Jésus ne faisait pas comme ça. » Et je lui ai dit, « Mais va relire ta Bible. » Et je lui ai montré ce passage de Luc chapitre 4 que nous allons voir ensemble. La Bible dit, « Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, c'est-à-dire un esprit impur, et s'écria d'une voix forte. » Vous êtes en train de prêcher, ok? Vous êtes en train de prêcher avec autorité et puissance. Parce que c'est ça qui se passe généralement. Quand vous prêchez sous l'onction du Saint-Esprit, vous prêchez avec autorité, des esprits impurs vont commencer à se révéler. Pourquoi? Et à se manifester. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu va les déranger, le feu de Dieu va les déranger. Ils vont commencer à se sentir dérangés par la puissance qui se dégage de vous. Dans le cas ici, qu'est-ce que le démon va faire? Il s'écria d'une voix forte. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Quand vous voyez le « Ah » là, vous pensez qu'il dit « Ah » tout simplement. Mais c'est tout simplement pour pas que le langage dans la Bible soit un langage familier, qu'il mettra un seul « Ah ». Mais en vérité, le cri est strident, le cri est continu. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, quand dans la parole de Dieu, nous nous arrêtons sur des choses comme ça, par exemple « ah » ou « oh », et on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à imaginer. L'esprit impur ici n'a pas dit « ah, qu'y a-t-il entre nous et toi ?» ou bien « ah, qu'y a-t-il entre toi, nous et toi ?» Par expérience, lorsque je chasse des esprits mauvais, par expérience, je sais qu'il a dû crier, il a lancé un cri continu. Il a dit ah ah ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Ah ah. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Quand on chasse des esprits impurs, ils poussent des cris. Pourquoi ils poussent des cris? Parce qu'ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés au moment où vous êtes en train de prêcher. Ils sont tourmentés par l'onction de Dieu. Ils sont tourmentés par le feu de Dieu. Et ils sont aussi tourmentés parce que des anges sont déjà présents et les anges sont déjà en train de les déloger. Les anges sont déjà en train de leur dire, mais va-t'en, tu n'as pas de place à cet endroit où loin de Dieu est là. C'est aussi le ministère des anges. Quand vous travaillez dans la guérison pour les malades et que ça vire vers la délivrance, il y a un ministère des anges à considérer ici. Donc il dit, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et très souvent, les démons vont dire des choses et quand ils vont dire, par exemple, là, ils vont dire quelque chose de vrai. Et ça peut troubler, mettre dans la confusion certaines personnes. C'est comme cette dame-là, dans Actes des Apôtres, qui poursuivait Paul et son compagnon d'œuvre et qui criait, ceci, ces gens-là sont des fils de Dieu vivant pendant plusieurs jours, à un point où certains pensaient que c'était prophétique, c'est qu'elle est en train de dire, jusqu'à ce que l'apôtre Paul ait le discernement des esprits et se rende compte que c'était un esprit de Python derrière et il a chasser l'esprit de Python. Est-ce que vous voyez? Les démons ici vont dire des trucs qui ne vont pas forcément être faux. Ils diront, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Et ça arrivera souvent que les démons puissent vous amener dans une direction, dans une conversation qui va vous distraire pour qu'ils puissent gagner du temps. Est-ce que vous suivez? Parce que plus ils passent du temps dans le corps, mieux c'est pour eux. Or, vous, votre objectif, lorsque vous allez prier pour le malade qui est un démon, c'est de déloger cet esprit impur pour que la personne
personne reçoive la guérison le plus rapidement possible. Il dit, tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. On va un peu s'arrêter ici. Quand Jésus va menacer l'esprit impur, comment est-ce qu'on peut menacer un esprit impur? Ça, c'est une question que je vous pose. Comment est-ce qu'on peut menacer un esprit impur? Bien aimé, en le réprimandant sévèrement, en lui parlant sévèrement. Vous ne pouvez pas parler à un esprit avec un ton doux. Vous êtes obligé de l'engueuler. Vous êtes obligé de se doser le ton. Et c'est donc biblique de pouvoir le faire. C'est pour ça que quand vous voyez des hommes de Dieu hausser le ton, à employer un ton ferme avec les démons, ne dites pas, oh là là, cet homme de Dieu manque d'amour. Mes chers frères et sœurs, l'amour, on en le manifeste à l'égard des hommes, à l'égard des démons. La Bible ne nous demande pas de les aimer. On doit prendre autorité et les chasser avec ferveur, avec force. Jésus le menaça disant, tais-toi. Pourquoi tais-toi? Parce que je vous ai dit que l'esprit mauvais allait amener le Seigneur dans des conversations. Je sais qui tu es, le Fils de Dieu, machin, tout ça. Et là, le but du Seigneur, c'est de délivrer la personne. Et vous, quand vous priez pour le malade, votre but, c'est de délivrer la personne. Tais-toi et sors de cet homme. Et la Bible dit, et le démon le jeta. Est-ce que vous avez remarqué ici, encore une analyse grammaticale, que le verbe ici, jeta, est comment on appelle ça? Au passé simple. Est-ce que oui, c'est le passé simple ça, ouais, jeta. C'est le passé simple. Instantané. Est-ce que vous comprenez? Jeta, ça s'est passé instantanément. Quand au milieu de l'assemblée, que le démon va jeter la personne au milieu de l'assemblée. Vous imaginez dans une salle où il y a des chaises, vous imaginez un peu le désordre que ça peut causer. La Bible dit littéralement où le démon l'a jeté. Ça va donc renverser les chaises, est-ce que vous comprenez? Et la personne va comme tout briser, peut tout briser par-ci par-là. Je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'il y a certaines personnes qui nous jugent lorsqu'ils arrivent à l'église et ils voient de telles manifestations. Mais ces manifestations sont dans la Bible. Jésus a vécu et a expérimenté cela. Pourquoi vous êtes étonné lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu et vous voyez ces choses-là se produire? Ne soyez pas étonné. La Bible dit, et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Pourquoi les démons n'ont pas pu faire du mal à la personne qu'ils ont balancée? À cause du ministère des anges. Quand un homme de Dieu exerce, il travaille toujours avec des anges. Quand je prie pour vous, si par exemple vous tombez sous l'onction et qu'il n'y a personne derrière pour vous rattraper, les anges de Dieu sont là pour vous rattraper. Si véritablement l'expérience que vous avez vécue est une expérience spirituelle, si c'est vraiment l'onction qui vous a fait tomber, quand vous tombez, bien aimé, s'il n'y a personne derrière vous qui vous rattrape, les anges de Dieu sont forcément là pour vous retenir. Les personnes qui se sont fait mal quand on a prié pour elles, elles sont tombées. Mes chers frères et sœurs, elles étaient entre la chair et l'esprit. C'est la raison pour laquelle elles se sont fait mal. Mais quand vous êtes pleinement dans l'esprit, quand cette expérience est pleinement spirituelle, mes chers frères et sœurs, il y a des anges derrière. Donc, le démon va balancer la personne au milieu de tout le monde, au milieu de l'assemblée, mais la personne ne va pas se faire mal parce que les anges vont protéger cette personne. Retenez que les anges travaillent avec le Saint-Esprit et les anges travaillent avec les oints de Dieu. Ceux qui sont oints ont une quantité d'anges qui travaillent avec eux. Ok, et la quantité d'anges qui travaillent avec vous va déterminer le niveau d'onction dans lequel vous allez opérer. Donc le démon sortit sans lui faire. Tous firent saisie de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance. Regardez, autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Il y a de l'autorité, mais il y a aussi de l'onction qui est là. Il y a de la puissance qui est là, qui se dégage et les esprits impurs sortent. Vous avez besoin d'être oint pour cela, mes chers frères et sœurs, pour que les esprits puissent sortir instantanément. Mes chers frères et sœurs, j'ai chassé des esprits impurs par la foi et j'ai chassé sous l'onction de Dieu. Je peux vous dire que la différence est vraiment frappante. Les démons ne résistent pas lorsque l'onction de Dieu est sur vous. Et d'ailleurs, même lorsque vous approchez d'un démoniaque et que l'onction de Dieu est sur vous, les démons ne résistent pas. Gloire à Dieu. Je vois là quelques questions qui commencent à tomber là. Il y a quelqu'un qui me dit. L'imparfait ici, c'est quoi? Quand tu dis imparfait, Dalia, c'est quoi? Le démon le jeta. Non, le jeta ici, c'est le passé simple. C'est le passé simple, le jeta. Attendez, je vais vérifier.
pense. Ok. Le passé simple. Ouais. Passé simple du verbe jeter, c'est jeta. Ok. L'imparfait aurait été j'étais. Voilà. J'avais bien raison. Eh bien, mes chers frères et sœurs, mes cours de français n'ont pas disparu. Hein. C'est vrai que je les ai faits quand j'étais jusqu'en troisième. On fait encore de l'analyse logique, l'analyse grammaticale. Donc, je connais encore toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Ok. Et vous avez remarqué que quand je lis la Bible, je vais utiliser les outils de français pour pouvoir comprendre ça, comprendre les versets bibliques. Parce que ça, c'est la première analyse. Beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils ne comprennent même pas le français. Et donc, ils font des interprétations qui sont totalement fausses. Les personnes qui ont traduit la Bible, ce sont des personnes instruites. C'est des personnes qui maîtrisent et manient la langue française correctement. Sinon, ils n'auraient pas fait ce métier-là. Donc, quand ils utilisent un mot, ils savent pourquoi ils l'utilisent. Ok? Gloire au Seigneur. Bonjour, apôtre. Ça, c'est Tombé Sandrine. Bonjour, apôtre. Je vis, mais je ne vois pas la différence. Je suis toujours la même. Pas d'évolution spirituelle. Je ne suis pas possédé. C'est l'enseignement qui te manque. Ce qui te transforme, c'est l'enseignement. L'enseignement. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Si je ne me trompe pas de verset biblique. La transformation de l'intelligence, vous savez, va amener la transformation de vie. Et ça, c'est la parole de Dieu. Si tu écoutes des enseignements, par exemple là, si tu es au rendez-vous tout le temps, tous les mardis, les jeudis, je t'assure que la parole de Dieu va te transformer. Tu verras le changement. Ok? Ah d'accord, j'ai dit tout à l'heure qu'il parlait au fou de Gadara à l'impératif. Ah oui, l'imparfait, je voulais dire. D'accord, je comprends maintenant Dalia. Ok, c'était l'imparfait que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Ah ouais, pasteur Bertin, toujours au rendez-vous, il dit c'était l'autre passage. Ok, je comprends très bien. Elias Christos dit, donc vous avez compris, on a commencé les questions. Vous savez, cette émission... Il y a des choses que je dois vous dire souvent, que je peux vous dire les dimanches. Et je vais multiplier les occasions, vous savez, de vous enseigner, de vous expliquer les choses. Parce que c'est important que les enfants de Dieu puissent grandir en connaissance. Et le serviteur de Dieu doit les aider à faire ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais cette émission. Et moi, je le redis encore, vous savez, ceux qui ne la regardent pas, même en replay, qui ne la regardent pas en replay, ils ont tort. Ils ont tort. Je parle là surtout aux membres de la CER et après je parlerai à mes partenaires, c'est-à-dire ceux qui aiment mon ministère, mais qui sont dans d'autres églises. Prenez le temps de regarder cette émission en replay parce que ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Il y a des choses que je dis dans cette émission que je ne dis pas le dimanche. Suivez? Et mon but ici, c'est de vous enseigner. C'est des séances de mentoring, comme je le dis souvent. Des séances de mentoring. Je n'ai pas envie que vous fassiez les erreurs que j'ai commises lorsque j'étais un peu plus jeune. Lorsque j'étais un peu plus jeune, vous savez, je n'avais pas de Nintendo. Je n'avais pas de Game Boy. Ma Game Boy, c'était le fait d'aller prier pour les malades et chasser les démons. Et là, j'avais le temps de faire toute une journée avec un cas de délivrance. Et il m'arrivait de faire toute une journée, je prie pour quelqu'un qui a besoin de délivrance de 9h jusqu'à 18h. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas la voie biblique de délivrance. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait faire les choses. Et j'ai étudié et j'ai compris mes erreurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je prends le temps de vous expliquer pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Et si vous appliquez ce que je vous dis, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour écouter. La parole de Dieu, c'est pour appliquer aussi. Ça ne sert à rien de bourrer votre intelligence et de votre tête de ce que je suis en train de dire si vous ne pratiquez pas la parole. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire et vous bourrez votre tête et votre cœur de ça, vous aurez une grande foi. Mais cette foi sera faible si vous ne pratiquez pas ce que je suis en train de vous dire. Il y a certaines personnes, malgré les conseils que je peux donner, ces personnes veulent vivre leurs expériences. Et c'est pour ça que parfois, ils échouent brillamment. Parce que pourquoi emprunter un chemin qui ne marche pas au moment où il y a des gens déjà qui ont emprunté ces chemins?
Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les gens intelligents tirent des leçons de leurs erreurs. Mais les plus intelligents apprennent des erreurs des autres. Est-ce que vous comprenez? Apprendre de vos propres erreurs, c'est bien. C'est de l'intelligence, vous êtes intelligent. Mais ceux qui apprennent des erreurs des autres sont plus intelligents. Et lorsque je me mets devant vous tous les midis du mardi et du jeudi pour vous enseigner, j'ajouterai même déjà le jeudi soir pour prier avec vous. Vous savez, j'ai un ministère média. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, non, mais comment il fait? Est-ce qu'il a, comment il a le temps pour lire pour écrire des livres? Il a le temps pour sa famille? Il a le temps pour ses églises? Comment il fait, mes chers frères et sœurs? Eh bien, il faut être discipliné pour ça. Donc, bientôt le jeudi. Donc, quand je le fais, le but ici, c'est de faire en sorte que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Je vous expose certaines erreurs que j'ai faites et vous pouvez apprendre et évoluer très vite. Et votre évolution, votre progrès, bien aimé, c'est mon plaisir. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer des chrétiens un peu plus matures. Et ce qui vous rendra mature, c'est l'application, c'est la pratique de la parole de Dieu. Pas seulement la connaissance de la parole. Parce que nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui connaissent la parole, mais qui ne la pratiquent pas. Ce qui fait de l'effet dans la vie, c'est la pratique de la parole. La Bible dit, heureux l'homme qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc construire sa maison sur le roc, avoir une vie solide, ne consiste pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais il faut la pratiquer pour avoir une vie solide. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je suis là, tout le temps. C'est pour ça que le Seigneur me donne la force, l'énergie et l'onction nécessaire. Et vous aurez l'occasion de voir la manifestation de l'onction de Dieu à travers les médias. Parce que je vais recommencer l'émission « Allô, le ciel est ouvert », où un est rempli du Saint-Esprit. Et vous allez voir, je ferai des délivrances en direct. Je prierai pour les malades en direct. Et en direct, vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu. Ce ne sera pas nouveau pour ceux qui suivent l'émission « Allô, le ciel est ouvert » depuis sa fondation, il y a près de 10 ans. Parce qu'on a eu des cas déjà où je priais pour quelqu'un qui était dans le besoin de délivrance. Et pendant que je suis en train de prier, la personne est au téléphone, on entend la personne qui commence à souffler fort et on entend « boum ». Eh bien, la personne était tombée sous l'onction de Dieu depuis chez elle. L'onction de Dieu va agir pendant ces émissions. C'est pour ça que je vous dis, restez connectés sur Facebook, restez connectés sur Évangile TV. Nous allons démarrer cette émission sur Évangile TV. Quelqu'un m'a demandé si ce sera en diffusion sur Facebook. Au début, nous allons faire sur Facebook, juste pour dire aux gens que nous sommes là. Et après, nous ferons plus que sur Évangile TV, parce que le site Évangile TV a les outils pour que vous puissiez envoyer vos requêtes de prière en toute discrétion. Là, sur Facebook, quand vous parlez, on voit tout, tout le monde lit, alors que sur Évangile, quand vous envoyez la requête, si par exemple c'est quelque chose de privé et d'anonyme, sur Évangile TV, on ne verra pas. Les autres ne verront pas, mais nous qui recevons vos requêtes de prière, nous verrons. Gloire au Seigneur. J'ai quelques questions ici et je vais répondre. Ok. Bonjour pasteur, comment savoir qu'on est possédé ou pas? Il faut absolument une manifestation. Il y a beaucoup de signes à la possession démoniaque. Un manque d'équilibre, généralement, est signe d'une oppression démoniaque. Il y a des gens qui sont très déséquilibrés, mais vraiment de façon abusive. Mais abusive. Ça peut ouvrir des portes aux esprits mauvais. Ok? Ça peut ouvrir des portes aux esprits mauvais. J'ai l'habitude de dire que dans vos rêves aussi, il y a des signes. Si vous voyez dans vos rêves des choses bizarres, qu'on vous poursuit tout le temps, vous voyez des chiens qui vous poursuivent, vous voyez des serpents qui vous poursuivent, vous voyez des trucs bizarres, on vous enferme dans une maison, vous êtes poursuivi dans une forêt, vous êtes dans un trou, vous êtes dans le noir, des choses comme ça. Dans des rêves, certainement, il y a une oppression démoniaque quelque part, il faut vous lever, prendre l'autorité et prier. Maintenant, le Saint-Esprit peut vous dire aussi, vous pouvez savoir par témoignage intérieur que non, il y a un esprit impur qui est en train d'oppresser votre chair. Ok, bonjour apôtre, je voudrais savoir... Si après avoir été guéri par Dieu, on peut tout de même perdre cette guérison que nous avons reçue, si par la suite on doute, et si le démon qui causait cette maladie, bien sûr, revienne après avoir été chassé. L'instantanéité de la guérison dépend-elle de nous ou du Saint-Esprit? Quel est donc votre secret pour vos guérisons instantanées? Ok, je vais répondre à ces trois questions. La première question, c'est à vous de rester dans la foi pour que le processus, que l'œuvre que le Seigneur a commencé dans votre vie puisse parachever, puisse être parachevé, puisse s'achever plutôt, puisse se terminer, puisse se poursuivre et se terminer. Voilà, là, j'arrive. Quand vous voyez l'épisode de Pierre qui marche sur l'eau, il va marcher sur l'eau.
Mais il va marcher sur l'eau à cause de quoi? À cause de sa foi. Vous comprenez? Parce que sa foi a fonctionné. Donc, il a marché sous l'eau. Mais il va se noyer pourquoi? Il va se noyer à cause du doute. Donc, entre le moment où il marche sur l'eau et le moment où il se noie, on peut dire que le miracle s'est produit. Et c'est un peu la même chose lorsque vous recevez votre guérison. Et je suis désolé, Pierre a marché sur l'eau instantanément. Ok? Lorsque vous recevez une guérison instantanée, c'est à vous de rester dans la foi pour que la guérison demeure et que la guérison se manifeste pleinement. Si vous cédez au doute et le doute va se manifester par la pensée, le diable va venir vous voir. Vous sèmez des pensées de doute, le diable va venir vous voir et vous dire non, la maladie va revenir. Non, regarde, tu as tel symptôme, c'est pour ça que tu as tel symptôme, la maladie revient, machin. Et si tu acceptes ces pensées, eh ben tu peux retomber malade. Mais si tu repousses ces pensées et tu résistes au diable avec une foi ferme, eh ben ta guérison va demeurer. L'instantanéité de la guérison dépend-elle de nous ou du Saint-Esprit? Ça peut dépendre du niveau de notre foi et de la force de notre foi, mais ça dépend aussi du degré de l'onction. Parfois, l'onction va être tellement intense que les résultats instantanés vont être nombreux. Les fois où j'ai beaucoup de résultats instantanés, ce sont les fois où l'onction est très, très forte. Je la ressens fortement sur moi et je la ressens fortement sur les gens. Maintenant, comment avoir la manifestation d'une forte onction sale? Premièrement, la soif. Les gens qui sont là doivent avoir la soif de voir Dieu se manifester. Ils doivent s'attendre au Seigneur. Deuxièmement, il doit y avoir de l'ordre dans la salle. Les gens doivent être ordonnés et organisés. Tout le monde doit faire les mêmes choses en même temps. Quand je dis les mêmes choses en même temps, c'est suivre les instructions du prédicateur. Si le prédicateur dit « on adore », tout le monde adore. Si le prédicateur dit « on prie », tout le monde prie. Si le prédicateur dit « tout le monde assis », tout le monde assis. Tout le monde debout, tout le monde debout. Vous suivez les instructions parce que l'unité va amener l'intensification de l'onction. L'autre chose, c'est être attentif comme à la piscine de Bethesda. Si vous êtes attentif à ce qui se passe, c'est-à-dire vous dites que là, il y a la manifestation de Dieu et la manifestation des anges, je ne veux pas passer à côté, vous restez concentré. Bien aimé, l'onction dans l'endroit, dans le lieu où vous êtes, va s'intensifier. Et si vous appliquez ces trois conseils, mes chers Bretons, nous allons voir une onction incroyable ce week-end. Nous allons voir une onction puissante et avoir des résultats instantanés ce week-end si vous appliquez ce que je suis en train de vous dire. Ok? Donc, c'est cela. Quel est donc votre secret pour vos guérisons instantané. Je vous ai donné le secret. Gloire à Dieu. Tombé Sandrine dit merci apôtre. Je vais prendre le temps à écouter vos enseignements car je veux grandir spirituellement. Jesse dit les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs mais les plus intelligentes apprennent des erreurs des autres. Bravo. Waouh. Oui. Gloire au Seigneur. Daphné Ambiero, elle a envoyé quelque chose. Voici ma question. Peux-tu faire la différence entre le fait d'être oppressé et être possédé, s'il te plaît? Quand tu es oppressé, ça vient de l'extérieur. Ok? Le démon agit de l'extérieur pour pouvoir entrer. L'oppression commence, par exemple, quand vous êtes carabiné de pensées impures, quand vous êtes carabiné de mauvaises pensées. Ok? Une pensée fait appel à une autre, une pensée fait appel à une autre, et c'est comme si vous n'arrivez plus à gérer les choses. Ça vient plein. Là, il est question d'une oppression démoniaque. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, le diable est en train d'attaquer pour pouvoir entrer. Donc, la possession, il est déjà entré. Là, ça commence à se manifester. Vous suivez? Vous avez déjà des signes d'une oppression. Ok? Et les signes d'une oppression, quand vous voyez l'affaire du fou de Gadara, il y a beaucoup de signes, hein, des oppressions démoniaques. Aussi, un reconverti est-il nécessairement possédé ou peut-il n'être qu'oppressé? Qu'est-ce que tu entends par reconverti? C'est-à-dire un rétrograde. Est-il nécessairement possédé ou peut-il n'être qu'oppressé? Si tu as abandonné le Seigneur et que tu reviens, sache que en abandonnant le Seigneur, ça veut dire que tu vas vivre dans le péché et tu vas ouvrir des portes au diable. Okay? Et il y a de fortes chances que tu sois oppressé. Un rétrograde ne perd pas le Saint-Esprit forcément. Bonjour pasteur, comment faire pour éviter de se mettre en danger lorsqu'on prie pour les malades ou le démoniaque? Mais Elias, c'est Elias Christos. Mais pourquoi vous allez vous mettre en danger lorsque vous priez pour un malade ou un démoniaque? Pourquoi vous pensez que vous êtes en danger? Vous le faites sous l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Et le Saint-Esprit vous protège. Vous le faites avec les anges de Dieu. Et les anges de Dieu vous protègent. Mes chers frères et sœurs, la révélation à laquelle vous évoluez détermine la qualité de vie dans laquelle vous êtes.
Si vous pensez qu'en priant pour un malade, la maladie va quitter le malade pour vous atteindre, bien ça arrivera. Si vous pensez qu'en priant pour un démoniaque, les démons qui sont dans la personne vont rentrer chez vous, eh bien, ça va arriver. Mais si vous pensez que c'est impossible que ça arrive dans votre vie, eh bien, ça n'arrivera pas, mes chers frères et sœurs. Rappelez-vous de la brillante phrase du Seigneur, « Il te sera fait selon ta foi. » Est-ce que vous comprenez? « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Donc, faites attention, élevons notre niveau de foi lorsque nous exerçons le ministère. Et les pasteurs qui prêchent que quand nous chassons les démons vont sortir pour pouvoir rentrer chez quelqu'un d'autre, ça se passe peut-être à leur réunion, mais dans mes réunions, non. Dans mes réunions, quand les démons sortent, ils vont dans les lieux arides. Ils ne vont pas chez quelqu'un d'autre parce qu'on serait ainsi dans une certaine insécurité spirituelle. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'une des choses que le Seigneur nous a garantie, c'est la sécurité spirituelle. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'une personne oppressée peut s'auto-délivrer? Oui, bien sûr. Tu prends autorité. Tu prends autorité. Tu dis au nom de Jésus, je viens briser tout lien entre cet esprit et moi. Tu demandes pardon à Dieu, tu renonces et tu chasses l'esprit impur. Et l'esprit va partir. Maintenant, si ton corps commence à bouger dans tous les sens, tu appelles un ancien de l'église, il va venir t'aider. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, on a vu comment chasser les esprits impurs qui causent une maladie. Je vous ai montré tout à l'heure comment faire un don sur Évangile TV. Pensez à devenir partenaire. Déjà, pensez à partager cette émission hein, pour que d'autres puissent voir et pensez à être partenaire de ce ministère média. Être partenaire de ce ministère média, c'est choisir un montant que tous les mois, vous utilisez pour soutenir ce ministère média pour que nous puissions produire davantage d'émissions pour vous bénir. On a plusieurs émissions qu'on est en train de préparer pour vous, mais on a besoin que vous puissiez nous soutenir financièrement. Pour faire un don, vous cliquez tout simplement sur le cœur qu'il y a juste en haut. Vous allez voir en haut sur le menu, il y a un cœur blanc dans un carré rouge. Vous cliquez dessus et vous pouvez nous soutenir par carte bancaire, par chèque ou par virement. N'hésitez surtout pas à le faire. Nous allons démarrer une campagne de dons dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques semaines, pour rassembler, mes chers frères et sœurs, les finances qui nous permettront de produire davantage d'émissions. Je vous dis pour les Bretons, je vous dis à vendredi déjà, parce qu'on se retrouve demain à 19h à 36 rue des Veillettes pour la tournée de foi et de guérison. Et on se retrouve aussi samedi pour les deux sessions, toujours à 36 rue des Veillettes et le dimanche. Venez nombreux, amenez vos amis, amenez les malades. Nous allons prier pour toutes ces personnes. Ok, si vous avez des personnes qui sont à Lyon, sachez qu'on a ouvert à Lyon, ok? Dimanche dernier, j'ai fait le séminaire à Lyon. Merci pour ceux qui ont répondu présent. L'église se trouve à 33 rue Louis Saillant, à Vaux-en-Velin, 69120, je pense. Vaux-en-Velin, c'est à côté de Lyon, c'est dans une zone industrielle, c'est pas loin. Et n'hésitez surtout pas à prendre des renseignements sur le Facebook, sur notre site aceministère.com ou sur Évangile TV. Si vous connaissez des personnes qui sont à Lyon ou à proximité de Lyon, leur dire qu'on a ouvert une église là-bas, c'est le pasteur Yvon, le pasteur Tina Mouketou qui vont y être avec une équipe de près de 15 personnes tous les dimanches. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière, pasteur, la louange, vraiment le niveau est très élevé. La personne m'a demandé si ça allait être comme ça tous les dimanches. Je lui ai dit oui, tous les dimanches, ça va être comme ça. Sachez qu'il y a une équipe de plus de 15 personnes qui descend à Lyon pour faire ce culte avec vous, les Lyonnais, avec vous, les gens du Rhône-Alpes. Donc, n'hésitez vraiment pas à envoyer vos amis là-bas pour qu'ils puissent recevoir la parole de Dieu. Et ce dimanche, le pasteur Yvon et le pasteur Tina vont tenir un culte prophétique. Ils vont prier pour vous, les Lyonnais, vous, les gens du Rhône-Alpes, et ils vont prophétiser sur vous. Donc, amenez des personnes qui ont besoin d'une direction divine, qui ont besoin d'entendre le Seigneur leur parler. Vous allez être stupéfait d'entendre la voix de Dieu pendant ces moments. Et moi, je serai à Rennes pour le séminaire sur la guérison. La grâce de Dieu nous accompagnera aussi, mes chers frères et sœurs. Et à Paris, on aura, je pense, les pasteurs, ma foi, qui vont prêcher, je pense, oui. Ils vont prêcher au premier et au deuxième culte. Donc, que le Seigneur vous bénisse.
Merci beaucoup. Merci d'être présent à cette émission. Attendez, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose là. Apôtre, comment expliques-tu les attaques durant le sommeil? On se réveille, mais on n'arrive plus à bouger. Et cela cesse quand on chasse l'esprit impur au nom de Jésus. Pourquoi cela arrive-t-il? Cela dépend du niveau spirituel. Merci. Les démons vont t'attaquer. Oui, ça peut dépendre de ton niveau spirituel, mais si tu prends autorité, ils partiront au nom de Jésus-Christ. Donc, pas forcément. Les démons, parfois, ils sont têtus. Même s'ils savent que vous pouvez les vaincre, ils vont quand même vous attaquer. Si ton corps bouge dans tous les sens, appelle un ancien. C'est difficile, apôtre, peut-être quand on se débat. Vous m'avez fait sourire, mais évidemment, si on est possédé à se débattre de la sorte, il faut un ancien, voire un pasteur. Merci. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien là-bas à Granby, Sandy. Fabrice Évangile. Bonjour, pasteur. Quand un mari abandonne sa femme et revient sans demander pardon, sans changement et ne touche pas sa femme pendant 5 ans et refuse le divorce, est-ce une oppression ou une possession ou que faire? Non. C'est pas une oppression. Là, on est dans un cas de maladie conjugale, c'est-à-dire que votre couple est malade et votre couple a besoin d'être suivi par un pasteur et un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin d'être suivi, d'être encouragé par un homme de Dieu. Ok, gloire à Dieu. Je pense que j'ai fait le tour. Ok. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Sandy. J'ai fait le tour. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis donc à mardi prochain pour une prochaine émission de rencontre sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.